Tu sais, je m'aperçois que dans le temps, les cinéastes, les réalisateurs qui faisaient des films, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois avant, faisaient des réunions, faisaient des dîners avec leur casting. Tu vois, ils avaient choisi, on va dire, par exemple, Alain Delon, Brigitte Bardot, je sais pas moi, n'importe qui. Mais ils se mettaient à des tables, ces gens se connaissaient parfaitement bien et devenaient copains avant même de commencer à tourner. Ce qui est le grand reproche que je fais aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, tu fais un film, tu ne sais pas 24 heures à l'avance avec qui tu vas tourner, parce qu'il peut y avoir des changements, et tu te retrouves les premiers jours, en tous les cas, le temps, tu sais, de briser la glace. Et je trouve que ça se ressent, et c'est dommage. Et je trouve qu'on devrait, voilà, faire plus des films comme ça, où les gens se rencontrent plusieurs fois, tu vois, puissent se Oui, mettre c'est à l'aise sûr. d'être ensemble, et du coup avoir un plaisir fou de donner le maximum, quoi, tu Ah vois. oui, exactement. C'est un film de rencontre. Et c'est ça, et c'est tout ce qui tourne autour de ton film, en réalité, hein, de l'amitié, du départ et de la présence de Pierre Rapsat. Et voilà, les amis de Pierrot, ça dit C'est tout, ça. quoi, tu vois. Donc ça ne peut aller que dans ce sens-là, ce film.